très chers téléspectateurs de la Maison catholique des médias, bonsoir. Célébration eucharistique à la paroisse Notre-Dame de Lourdes, ce lundi 11 octobre 2021. Célébration eucharistique qui est bien présidée par le chanoine Pierre Bivouli, vicaire de la paroisse Notre-Dame de Lourdes. Thank you.
notion de la nature et du livre de l'Ecclésiastique pour la matérialité du livre de la guerre de Marie. Je suis comme une ligne au vent, au vent, mes fleurs comme une moisson de bois et de richesse. Je suis la mer de l'amour, de la crainte, de la connaissance et de la sainte espérance. En moi, une grâce de doctrine et de vérité, en moi, espoir, de vie et de force. Venez à moi, tous me désirer et de mes fruits rassasiés. Mon esprit est plus que le miel, et mon héritage est un meilleur miel. Mon souvenir demeure pour la suite des âges. Je mange par mon enfant, qui me boit en soif, qui m'écoute dans ma grande honte, qui agit avec moi, le pêche à moi. Qui cherche ma lumière aura la vie éternelle. Traduction de cet évangile qui met le salut. En ce temps-là, tandis que ses parents s'en retournaient, l'enfant Jésus resta à Jérusalem et ses parents ne s'en aperçurent pas. Pensant qu'il était dans la caravane, il vit route pendant une journée. Puis ils se mirent à le rechercher parmi leurs parents et connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils revinrent à Jérusalem en le cherchant. Et voilà, au trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant, et tous ceux qui l'écoutaient étaient stupéfaits. De son intelligence et de ses réponses. En le voyant, il fut bouleversé et sa mère lui dit : Mon enfant, pourquoi nous avons fait cela ? Vois, ton père et moi, tout affligés, nous te cherchions. Il leur dit : Et pourquoi nous cherchez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il nous faut être à la disposition de mon père ? Mais ne comprit pas la parole qu'il leur avait dit. Il descendit avec eux et vint à Nazareth et il leur était soumis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. J'aimerais dire aujourd'hui, donc, dans la première extraordinaire du Romain, célébrons la fête de la maternité divine, la maternité de la très sainte Vierge Marie. C'est un mystère qui a fait couler le nom. C'est un mystère qui a mené lieu à beaucoup de discussions, au point même que l'un des conciles du premier temps de l'Église a été consacré à cela, le concile d'Éphèse. La Sainte Vierge Marie est véritablement la mère de notre Seigneur Jésus. C'est elle qui met au monde et nous soutenons, on vient de le vivre avec l'Annonciation et le temps qui nous est à Noël, comment le Seigneur Dieu envoie le messager pour que la Sainte Vierge Marie puisse dire son oui, qui va valoir la naissance de notre Sauveur sur la terre. La Sainte Vierge Marie étant la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, et pourtant le catéchisme nous enseigne et nous voit que notre Seigneur Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. Elle est certes la Sainte Vierge, mère de Jésus-Christ, homme, mais les deux natures étant, on ne peut pas les séparer. La Sainte Vierge Marie est aussi la mère de Dieu. Et chacun d'entre nous, elle nous a confrontés au pied de la croix. Elle est bien la mère de Dieu, elle est mère de notre Seigneur Jésus-Christ, on dit même qu'il n'y a qu'une seule personne dans le Christ, mais qu'il y a véritablement deux natures.
Et de la même manière,
Thank you.
Que sacrifício.